Ah oui, Vous avez un côté Herbert Écoutez, les photos et tout. Je suis contente de vous accueillir en terre lochoise. La première boucle, donc, nous irons sur Loches, Beaulieu et Ferrières. La deuxième boucle vous conduira sur Champsaux-près-Loches. Donc, ce sera un peu plus de campagne. La troisième boucle, donc, voilà. On vous souhaite une belle Audax, même si la pluie s'est invitée. On avait commandé le soleil, malheureusement, voilà. La parole peut-être à Gazou pour les consignes de sécurité, et puis à Jean-Michel, qui est président de l'UAF, qui nous a fait le plaisir. On va ressortir. Attention de ne pas bousculer aussi les touristes, parce qu'il y a encore du touriste. Là, il y aura le démontage aussi du marché, donc ils sont en train de laver les pavés vont être glissants. Et la deuxième... Et je souhaite à vous tous un bon brevet. Apparemment, il va y avoir un petit peu de prix, mais bon... Adjoint de Loches, Bertrand Duquel, Monsieur le Président de l'UAF, Mesdames et Messieurs, chers amis. Anne, notre présidente, n'est malheureusement pas là ce matin pour clore ce bel événement. Pour raison de santé, elle ne peut assumer cet ultime épisode, le plus agréable et le plus symbolique. L'ensemble des bénévoles, c'est aussi un vrai engagement pour vous. De jour comme de nuit, que d'entourer et encadrer cet événement. C'est ce qui fait l'animation de notre... Vraiment, félicitations pour cette épreuve extraordinaire que vous avez réalisée à travers notre beau territoire. De séries d'allocutions. Évidemment, j'ai aussi une pensée, d'abord surpris et bien ennuyé pour Anne, que tout le monde adore ici, et vous... La parole, je pense que vous voudriez. Bonjour à tous. Je voulais commencer par remercier le club des Tatanes Lochoises pour leur premier brevet de 100 km. On peut dire que c'était un réel succès. C'était super bien organisé. Voilà. Bonne journée, bon retour à tous. Et c'est le président sur la route.